La justice a tranché le mercredi 17 mai 2023. Ce jour-là, la Cour d'appel de Paris a officiellement condamné l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à 3 ans d'emprisonnement, dont un an ferme à exécuter sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence. Ce jugement, inédit pour un ancien pensionnaire de l'Élysée, intervient dans le cadre de l'affaire des écoutes. De plus, la Cour d'appel de Paris a également prononcé une interdiction des droits civiques de 3 ans pour l'ancien chef de l'État, le rendant par conséquent inéligible. Peu après l'annonce de cette condamnation, Nicolas Sarkozy a formé un pourvoi en cassation, comme l'a annoncé par son avocate Jacqueline Lafont. Celui-ci s'appuiera en grande partie sur le secret protégeant les conversations entre les avocats et leurs clients. Mes sentiments, je les garde pour moi et pour ma famille. La question posée n'est pas de savoir si on m'aime ou si on ne m'aime pas, mais de savoir si le droit a été respecté, ou si la seule chose qui compte est qu'une institution couvre des comportements inacceptables dans le seul but de ne pas se désavouer, a indiqué Nicolas Sarkozy au Figaro. L'ancien président peut en tout ça compter sur le soutien de son épouse, Carla Bruni, qu'il a défendue sur Instagram en interprétant une chanson plutôt cinglante. Condamnation de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni reprend du Georges Brassens pour le défendre, tout le monde se précipite. Hors d'atteinte du Saint-Jean-Ruth. Sauf une vieille décrépite. Et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe. Le cadre humain accéléra son dandinement vers les robes. De la vieille et du magistrat, gare aux gorilles, bas, soupirait la centenaire. Qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire. Et, pour tout dire, inespéré. Le juge pensait, impassible qu'on me prenne pour une guenon. Si est-il complètement impossible. La suite lui prouva que non. Gare au gorille. Mais, par malheur, si le gorille. Au jeu de l'amour vaut son prix. On sait qu'en revanche il ne brille. Ni par le goût ni par l'esprit. L'or, au lieu d'opter pour la vieille. Comme l'aurait fait n'importe qui. Il saisit le juge à l'oreille. Et l'entraîna dans un maquis. Gare aux gorilles. La suite serait délectable. Malheureusement, je ne peux. Pas la dire, et si est-il regrettable. Ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge, au moment suprême, criait maman, pleurait beaucoup. Comme l'homme auquel, le jour même, il avait fait trancher le cou. Gare aux gorilles. Merci Georges Brassens, a-t-elle chanté.